Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est parti, je vais essayer de vous montrer un nouveau véhicule. Donc vous allez franchement vous marrer, donc il s'appelle le Liberator. Donc c'est un véhicule un peu américain, un monster américain. Donc il m'a coûté très très cher, j'ai dû même vendre une voiture que j'avais très très précieuse dans mon petit garage. Donc malheureusement bah c'était quelque chose qui m'a un petit peu déçu. Mais j'ai pas forcément beaucoup d'argent pour pouvoir, comment vous expliquer ça, bah me payer les véhicules. Donc c'est un véhicule malheureusement qu'on appelle avec Pegasus, on ne l'obtient pas dans le garage, c'est ce que j'ai pensé dans un premier temps, mais visiblement c'est pas trop ça. Par contre c'est où la livraison là-dedans, là, attendez, j'ai un petit truc qui me fait flipper là. Il est où le truc là, le véhicule? Ah, il apparaît encore là-haut. Oh, ils sont énervants en fait à tout apparaître à côté. Donc je vous disais tout simplement, c'est que c'est un véhicule qui va être sympa. Donc on va faire un petit peu un carnage, on va provoquer la police avec. Ce qui vous plaît bien sûr généralement sur GTA. Donc je connais un petit peu maintenant vos préférences, ce que vous aimez un petit peu le moins. Donc après je dis pas que c'est une généralité, mais il y en a qui préfèrent un petit peu foutre le feu dans la ville. Et d'autres qui préfèrent se contenter de rester un petit peu plus sérieux. Mais je vous assure, c'est un véhicule qui est sympa, mais... Je l'ai testé il y a 3 secondes, donc j'avais fait une petite vidéo, mais après je l'ai trouvé pas forcément intéressant parce que j'ai tourné, comment ça s'appelle, pendant 10 minutes, pas forcément à chercher le véhicule, mais à partir par exemple dans le custom, mettre ma voiture, etc. Je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Je pense que vous préférez avoir du concret, je me mets à votre place. Quelqu'un qui va chercher pendant, allez, 5-6 minutes son véhicule dans le garage, on s'en fiche un petit peu, je pense. Donc là, à partir de là, ça devait devenir un peu plus intéressant. Mais pour vous dire que j'étais déçu parce qu'il coûte quand même 700 000 $. Et faut les avoir les 700 000. Hein. Donc j'ai dû vendre une voiture qui m'a coûté à l'époque, hein, 900 000, un truc comme ça. Je crois que c'est après la Bugatti Veyron, une voiture qui était vraiment bien. C'est celle, on va dire, qui a un petit peu, qui ressemble à un aspirateur. Hein. Et malheureusement, je ne l'aurai plus jamais. Elle était belle, elle était customisée, il y avait tous les accessoires à fond. Mais tant pis, je me dis, j'aurais dû jouer un peu plus sur GTA. Ou tout simplement avoir plus d'argent. Donc c'est comme ça, hein. Ça me dérange pas plus que ça, j'accepte. Même si je sais que c'est un jeu à business, mais bon, j'accepte quand même. Que si vous l'achetez, comment ça s'appelle, 3 millions ou 8 millions de dollars, bah ça va vous coûter 100 balles. Il suffit juste de voir et vous allez voir par vous-même que c'est quand même quelque chose de très très cher. Ou soit vous allez jouer, faire des petits jeux, donc ça comme j'ai expliqué, j'essaierai de le faire avec des abonnés. Pour pouvoir tout simplement tous progresser en même temps. Et pourquoi pas XP et se faire beaucoup plus d'argent, quoi. Par contre, il y a un petit problème, Houston. Putain, mais ils sont pas sérieux. Eh, je suis con ou quoi? Eh, je me suis pris une feinte. Regardez-moi la vieille feinte pourrie. Mon véhicule a été livré où? On me dit pas qu'il est... Eh, mais il se touche, hein. Ah, il se touche. Oh, les ouf. Ils me le mettent là, le Libérateur. Ouah, putain. Eh, oh, n'importe quoi. Eh, c'est du... Vas-y, c'est quoi? Je vais prendre ma voiture rose, là. Oh, la feinte qu'ils m'ont mis. Là, ils sont forts quand même dans GTA par rapport aux conneries. Hein. Le Libérateur, ils me l'ont mis là. Mais ils sont pas vraiment sérieux, j'espère. Bon, bah, on va le chercher. Donc, désolé, hein, moi qui voulais éviter de vous faire galérer. Et bah, c'est bien réussi. Donc, comme j'ai expliqué, c'est un véhicule, on va dire, semi-militaire. Donc, je pense qu'il a des grandes roues. Parce que le Monster, bien sûr, il a des roues de 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres dans la réalité. Et c'est un véhicule en fait qui est assez sympa, mais qui n'est pas forcément... je sais pas s'il est incroyable ou pas, donc on va le tester avec la police. Donc après je vais essayer de vous faire un petit carnage assez sympa, donc j'espère tout simplement essayer de survivre le plus longtemps possible, sans non plus me faire avoir par la police, parce que je sais pas ce qui peut m'arriver. Sachant que les flics, vous connaissez bien sur GTA, en tout cas sur cette version-là, ils sont un peu agressifs. En tout cas c'est de Watch Dogs, alors eux, ils ont rien compris à la vie, ils te voient tirer sur les passants, ils devraient... Enfin, ah bon, tu tires? C'est pas pareil, c'est pas du tout la même façon. Donc sur GTA, ils sont super pas agressifs. C'est-à-dire, ils sont tellement passifs en fait, plutôt. C'est que bah tu sens que les flics, bah tu les domines les yeux fermés et les doigts dans le cul. Que par contre, GTA 5, quoi que tu fasses, les mecs, ils sont tellement agressifs, les flics, c'est qu'ils laissent même pas le temps de respirer, qu'ils t'ont déjà limite mis en joue, qu'ils t'ont déjà battu. C'est deux jeux différents, mais avec deux comportements de flics totalement à l'opposé, en fait. Hein. Faudrait pas qu'il y ait juste un petit... juste milieu entre les deux. Je joue super bien ces derniers temps, donc faut savoir qu'ici, c'est une montée, quand même. Hein. C'est pas évident. Hein.
faut se mettre à ma place, hein. Je conduis, je regarde la télé, je parle à la webcam, je commente, ah, je pique. Donc, ouais, je disais, c'est que c'est deux comportements différents, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un juste milieu entre les deux. Ça m'aurait fait vraiment, vraiment marrer. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, sur la version, comment ça s'appelle, 2014 de GTA V, parce qu'il sort sur la nouvelle console, pour ceux qui ne savent toujours pas, sur Xbox One et sur PlayStation 4 et sur PC. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura de quoi faire. Ce qu'ils ont montré, c'est que le jeu sera totalement, mais totalement changé. Entre parenthèses, hein, visuellement, on va prendre une petite claque à ce qui paraît. Et qu'il y aura beaucoup plus de circulation qui seront ajoutées. Et il y aura quoi de plus? Il y aura des animaux qui pourront tout simplement être mis en valeur cette fois-ci en mode multijoueur. Donc je pense que là, il y aura de quoi faire. Et un dernier truc que je voulais aussi vous mettre entre parenthèses, c'est que le jeu aussi sera beaucoup plus facile à charger à ce qui paraît. Le chargement sera beaucoup plus rapide. Bon, même si maintenant on commence à s'y faire que c'est long, mais bon, c'est juste la partie pendant qu'on lance le jeu qui met 5 minutes, voire des fois plus. Et par contre, le monster, ils m'ont vraiment mis loin, là, le Liberator, là. Ils veulent vraiment pas que je puisse en profiter pleinement avec vous. Ils veulent me faire la misère. Par contre, bon, on va couper, hein, on va pas faire tout le truc comme eux, ils ont envie, hein. Ah, ça suffit, les conneries, hein. À les écouter, faut que je fasse tout le truc. Ça va, bon, là, j'ai pris un raccourci. Putain, la vache, plus de voiture. Oh, la chance. Et les pierres, par contre, c'est qui les a installées comme ça? C'est pas bien, hein. Donc, c'est la seule voiture que j'ai gardée, avec la Bugatti Veyron. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de voitures. Putain, je suis un kilomètre vite. Bon, vous savez quoi, je vais tomber. Ah, là, 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 là. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Je vais essayer de vite me stabiliser. Ça va être possible ou pas? Vite. Stabilise-moi cette voiture. Vas-y. Elle fait pas le counard, hein. Ah, c'est bon. Donc, nickel. La voiture est stabilisée. Plutôt, c'est bon, maintenant elle roule. Putain, j'ai pris le chemin le plus casse-burne qui existe. Oh, j'en ai marre. Des fois, je vous dis, je l'aime bien, mais des fois, il y a des moments où t'en as vite marre, en fait, par rapport à des trucs qui t'arrivent, des bugs, des lags. Tu te coinces bêtement, tu roules et tu... Bon, bref, je pars à pied. Où est-ce que c'est? En fait, c'est à la base militaire, exactement, quoi. Tant pis, on part à la base militaire à pied. Donc, c'est quelque chose qui va être assez éprouvant pour la personne en question. Oh là là. J'aurais pu faire le torrent, mais on va éviter. Tu es où comme ça, toi? Donc, pourquoi je me suis pas encore mis en mode, comment vous expliquer ça, multijoueur, avec plus de joueurs, tout simplement, c'est que j'ai pas envie de me retrouver avec des joueurs qui vont me... Voilà, à la moindre occasion, je vais vous présenter le véhicule. Tout simplement, on va rouler. J'ai envie de faire un carnage avec la police, obtenir un maximum d'étoiles et durer le plus longtemps possible avec ce véhicule pour voir s'il est fiable ou pas fiable, est-ce qu'il est crevable, ou est-ce qu'il a une durée de vie très limitée. Si je commence à partir en multijoueur, la durée de vie du véhicule va durer 30 secondes. Pourquoi? Parce que je vais tomber sur des mecs qui vont être avec du C4 ou avec des RPG et je vais me prendre une de ces roquettes dans la gueule et je vais vous montrer 30 secondes de gameplay. Vous allez dire, Body, t'es mort, j'ai pas vu le véhicule. Donc c'est pour ça que je fais ça tout simplement un petit peu de telle façon que tout le monde puisse voir un petit peu la durée du véhicule en question. Mais j'ai juste un petit problème, c'est que j'ai pas pensé forcément à me balader dans les montagnes. Je vous fais une petite expédition assez rapide, hein. Donc voilà, je vous présente un petit peu les chênes, les arbres, mais n'importe quoi le mec. Non, mais... Vraiment des conneries. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est que là, je suis un petit peu loin de cette connerie. Eh mais elle, par contre, faudrait vraiment qu'elle fasse un tour à la salle de sport, parce que j'avais pas l'impression que je commence à courir plus en plus rapidement avec elle. Dommage qu'ils n'ont pas fait, par exemple, différents personnages. Par exemple, ceux qui sont doués, par exemple, au niveau de la randonnée. Dommage qu'il n'y a pas, par exemple, comme le triathlon. Par exemple, tu mets ton personnage un petit peu plus à fond. Et là, t'imagines, j'arrive là-bas, il y a marqué « Votre véhicule a disparu ». Je te jure que je claque le jeu. Je le tue. Je sais pas sur quelle poisse on va encore tomber, mais on sait jamais. Ouais, dommage que par contre les personnages sont pas forcément pas plus travaillés, mais qu'on ne peut pas leur mettre une endurance particulière selon les conditions, par exemple, du jeu en fait. Quelqu'un qui sera beaucoup plus fort en montagne, bah, par exemple s'il se fait poursuivre par d'autres joueurs, bah les autres joueurs vont un peu plus être au niveau de l'endurance épuisée ou tout simplement ils auront plus de mal à monter. Des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, après, faut pas non plus s'emballer. Ça reste un jeu vidéo qui est déjà assez bien construit. Donc, c'est pas comme certains qui voulaient dépasser GTA et qui se sont tous pété la gueule pour le moment. Je suis un peu mort de rire, c'est que...
chercher le buzz, malheureusement, il vient naturellement, il vient pas en cherchant. Donc voilà le véhicule Made in America. Donc pour ceux qui adorent les États-Unis, comme dit Mr. Ben, bah bienvenue. Que des conneries quoi. Donc maintenant je vais essayer de libérer un petit peu le pays. Donc c'est un véhicule qu'on ne peut pas personnaliser, faut savoir. Donc peut-être que je pourrais monter le Mont Chila avec. Le Mont Chilad, pardon, parce que moi j'appelle ça le Mont Chila, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien, on va dire tout déformé moi. C'est comme ça. Et il a de la puissance quand même, hein. Donc c'est pas vraiment le bon endroit dans lequel je pourrais m'aventurer, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en dites? Il monte bien quand même, il a de la puissance. C'est pas comme le tank où on sent tout de suite vraiment une. Comment vous expliquez ça? Bah un petit coup de faiblesse au niveau du véhicule, que là il a quand même de la puissance, malheureusement. C'est bien. Malheureusement, quoi, je dis malheureusement, heureusement. Parce que là, regardez, je peux monter tout ce que je veux. Et j'ai pas l'impression qu'il va tomber, hein. Oh, le moteur qu'ils ont mis, il est excellent. Donc après, faut pas exagérer non plus. Je sais pas jusqu'à où il peut y aller. Donc là, c'est sûr que je suis pas au niveau du truc. Parfait. Ah, il monte bien. Excellent. Oh là là, excellent comment il monte. Excellent. Donc moi, j'aime bien cette montagne. Elle est sympa aussi. Oh putain, la vache. Oh putain. Par contre, ça, j'y ai pas pensé de me péter la gueule comme ça. Bon, c'est parti, acrobatie. Ouais, j'ai stabilisé le véhicule. C'est du tout terrain ici, c'est du tout terrain. Alors, vas-y, fais ça. Par contre, faut pas rester bloqué, parce que moi, le camion Ben, à chaque fois, je le faisais bloquer, de ce côté-là. Ouais. Et il retombe sur les roues. Mais c'est trop fabuleux, ça, comme véhicule. Par contre, le pauvre passant, le pauvre, il va rien comprendre. Il va... Oh, putain! Un monster qui me tombe sur la gueule. Mais c'est pas vrai. Il va flipper, mec. Là, c'est pareil. Je vais le stabiliser. C'est pas mal d'avoir les arbres de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ça te permet de redresser un véhicule. Bon, le plus dur a été fait. Je taquine, maintenant on va commencer le plus dur. Hein. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas nous faire, hein? Bah tout simplement, je vais essayer de m'amuser avec la police, mais il faut que je tombe vraiment sur une route beaucoup plus fréquentée. Parce que là, ça va être un peu dur de pouvoir bah, écraser des pas sans faire des conneries avec le monster, quoi, en tout cas. Donc moi, je l'appelle pas le Liberator, je l'appelle le monster. Hein. Monster freestyle quasiment, vous avez vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Vraiment des conneries, ces conneries de jeu. Donc il coûte quand même 700 000 dollars ou 800, je sais plus exactement, 750 ou 720, mais c'est ça rigole pas, hein. Il coûte très très cher. Bon, on va provoquer un peu la police. J'espère qu'ils vont venir rapidement. Donc si vous avez un moyen d'appeler la police, j'en ai un moi qui est très rapide. Il n'y a pas plus rapide que ça. Coucou la police! Ils vont arriver tout de suite. Voilà, une étoile. Pas qu'il me coule trop. Oh là là, oh là. C'est quoi ce projectile là? Putain la vache! Ah la connerie! Eh, c'était n'importe quoi là. Non! Putain mon monster! J'ai les niqué! Eh bien, il y a une voiture qui vient de se faire livrer. Ok, merci. Le mec, c'est un mécano express, hein. Il n'y a même pas plus rapide que lui, hein. Donc le mécano. Oh là là! Le monster. Bon, maintenant je pense qu'il est tout là-haut. Oh putain, mais c'est pas vrai. Comment j'ai la poisse moi pour appeler les flics? Pegasus, appelle-moi le Libérateur, s'il te plaît, américain. Hello, this is Pegasus Lifestyle Allez, Management. Libérateur. How can I help? Où est-ce qu'il est là? Thank you, madam. Your specialist vehicle is now ready Alors for là, on va you bien at se our marrer. nearest pickup Ils station. me l'ont mis où? Ils me l'ont mis où? Au même endroit. Par contre, c'est moi qui arrive respawn dans un endroit de merde. À 4 km. Donc, on a deux façons de pouvoir y aller beaucoup plus rapidement. On gruge la montagne. Ce qui va être très très dur à gruger. Donc, on repart plutôt par la route principale et on va essayer de faire ça. Mais non, mais non, mais non, mais. Prends pas les arbres, hein. Il est fou. Mon Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le truc tropical là, il blague pas. Hein. Donc vous avez pu voir, c'est que je voulais provoquer, mais j'étais sûr que j'allais finir par péter, parce que les voitures se sont tellement bien collées en fait, ça va faire un micro-bouchon. Je me suis dit, c'est sûr et certain que mon véhicule il va commencer un petit peu à pas prendre feu, mais il va prendre très très cher. Donc là, ça va, je vais couper plutôt 2-3 km fastoche, parce qu'il faut savoir que la carte me fait faire tout le détour, et que le véhicule, tout simplement, faut passer par la base militaire, et qu'il faudra monter un petit peu sur les montagnes.
pour pouvoir le récupérer qui se trouve tout simplement juste derrière. Hein. C'est pas trop loin. Par contre, j'ai acheté une nouvelle voiture volante pour ceux qui savent pas. C'est pas vrai, mais j'ai fait quoi, putain? Oh, mais non! Hey, je vais craquer! Je vais craquer! Comment ça se fait qu'à chaque fois que je prends un véhicule, le bras cassé ne veut pas? Oh non, mais non, mais non, il y en a marre! Il y en a marre! Oh, le truc de ouf! Bon, Mécano, je te paye, c'est pas pour rien. Hey, vous avez voulu avoir du live, c'est le drame là. C'est le drame. Ah, parce que t'as deux mécanos, toi, maintenant. On va prendre plutôt. Vous savez, j'ai quasiment plus de voitures. Hein. Plus de véhicules, quasiment plus rien. Donc, livre-moi mon fameux véhicule. T'arrives dans combien de temps, toi? Dans 1 heure? Je veux pas partir quand même la caravane Yeti là-bas. Hein. Oh, c'est bon. Le véhicule, il a été livré. Par contre. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il n'y a même pas eu de chauffeur, il n'y a rien eu. Donc les types, ils semblaient de moins en moins. Donc la base militaire est derrière. On va couper plutôt par là. Mais ah, la poisse, je savais que j'allais faire un vol plané, mais je pensais pas que le véhicule allait prendre feu subitement comme ça. Oh non. Bon, vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Hein. Avec le monster, on va faire des sacrés dégâts. J'ai attaqué plutôt la base militaire. Comme ça, vous n'allez pas me dire que ici on est passé pour rien. Je pensais que j'allais limite mourir là si je franchissais la barrière trop fort. Il commence à me faire peur ce jeu. Franchement, je commence à flipper. Je me pose des questions. De jour en jour, c'est quoi les trucs qui peuvent me tomber dessus et tout. Voilà. Donc le véhicule est tout simplement stationné de l'autre côté. Faut pas que je me prends là parce que là, je pense que je vais encore décéder dans pas longtemps. Ça va, ça n'a pas été trop long non plus. Où est-ce qu'il est le véhicule? Donc, le Libérateur, et je viens te récupérer. Et après, on va attaquer la base avec un hein. Vu que je suis à côté, on va tester les flics dans un prochain épisode. On va faire la base militaire. Je pense que je pourrais tenir tranquillement là-dedans, là. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment de la puissance. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Donc, déjà, on a dévalé une montagne. C'est pas trop mal. Par contre, les militaires, je pense qu'ils vont pas me faire de cadeaux. Hein. Bon, faut pas se tromper, hein, parce qu'il y a deux collines en fait. Hein. Il y a la petite colline ici qui va pas vous permettre de sauter. Ce sera juste celle juste d'à côté. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Non, 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 stabilise-moi bien les roues, s'il te plaît. Merci. Parce que là, je commence à m'inquiéter. Hein. Je me dis, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh putain, le vieux bug qu'il allait me faire là. Oh, le truc. Ok, si tu veux. En fait, il m'a dit dégage. Il m'a dit dégage de là. Le mec qui me dit limite dégage du véhicule. Bon, vous êtes prêts? C'est parti pour le grand saut. Bon, alors là, je suis bien rentré, hein. Putain, il me tire déjà dessus, les mecs. Hey, du calme, hein. Du calme, du calme. Oh, comment il est fort. Il saute même les obstacles aussi haut. Ah, on va s'amuser, c'est parti. Le Libérateur américain dans la base militaire. Quelle connerie. Bon, fais attention parce qu'il y a des tanks. Hein. Donc le tank, je pense pas que je vais pouvoir y survivre. Hein. C'est trop facile là. Pour l'instant en tout cas. Hein. Donc après la base militaire, pour pouvoir tenir un maximum de temps, c'est pas vraiment compliqué. Il faut tout simplement rester sur cette zone-là en fait. Et faire que des allers-retours. Il n'y a rien de bien sorcier. Hein. Donc le mec qui me dit j'arrive pas. Par contre, je pensais pas qu'il y ait breton d'hélicoptère. Hein. J'aime bien, on va dire, cette vue-là. Moi, ça me fait toujours marrer. En tout cas, il y a des grandes, des grosses roues là. Allez, Libérateur Americano. Toi, travaillo. Ah, attendez. Je peux même dérober un avion de chasse si j'ai envie. C'est ça qui me fait assez marrer. Regardez. On va atterrir dessus exprès. Il a même pas bougé d'un poil, l'avion. Ah, il est solide quand même, hein, comme 4x4. Hein. Putain, la vache. Vous voyez là, je pouvais dérober facilement, j'aurais pu m'enfuir comme si de rien n'était. Donc là, je vais un petit peu tout le monde, je vais les gêner. Allez, un maximum de carnage, allez hop là, va-t'en de là toi. Je peux même rouler sur les murs comme vous avez pu voir. Donc là, j'ai des véhicules qui me suivent, attention, faut pas faire tout n'importe quoi.
Oh là là. Et même le l'avion de chasse, limite, il allait me traumatiser un peu là. Est-ce que je peux sauter sur ce tremplin? Non, je peux pas. Si je... Oh putain, je pouvais. On va sauter sur celui-là. Et on peut faire même des acrobaties avec. Il est vraiment bien quand même comme véhicule. Si vous voulez franchement faire quelque chose de fun, je pense que je prendrais des personnes qui ont tous ce véhicule et on fera des petites vidéos assez sympas, je pense. Il y a de quoi faire. Mais par contre, là, je suis bloqué. Chiotte. Ah, heureusement qu'il a cassé la clôture parce que. Aïe, 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 comment ils sont en train de. Eh, mais en fait, ils sont en train de me gêner les malins. Ah, ça réveille quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc après, on peut faire aussi des trucs ici. Allez, hop, je t'ai esquivé. Une petite acrobatie. Non, je l'ai loupé complètement l'acrobatie. Par contre, la portière, il a oublié de la fermer. Donc là, je vois que on commence à devenir désossé. On va éviter de faire n'importe quoi. On va éviter. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Là, je pense pas que je pourrais sauter. Je vais me prendre un mur. Et je peux même me faire bloquer le véhicule ici, je m'en doutais. Mais vous inquiétez pas, c'est qu'il va repartir sur les roues. Et merde, il continue à me tirer dessus, les malins. Putain, il passe pas. Il passe pas! Il passe pas. Comment se dégager d'une situation aussi tendue que celle-là? Bah, tu fais juste marche arrière. Eh ben, il n'y a même pas de tank, y a rien, c'est fou! En fait, les tanks, si vous voulez les trouver, pour être vraiment franc, ils se trouvent ici. Hein. Sur ce côté de la carte. Eh, mais je fais partie de votre patrie. Hein. J'ai les mêmes drapeaux que vous. N'importe quoi. Donc, les tanks sont juste là où j'y vais normalement. Ah, c'est pas mal ça, le petit mirador là. J'ai jamais forcément fait attention. Donc, mon véhicule est de l'autre côté. J'ai tous les trucs, les étoiles. Franchement, la base militaire va tenir longtemps. Gâteau avec ce véhicule. Hein. Si vous voulez vous amuser à vous faire des défis entre potes, vous allez franchement bien triper avec. J'espère juste qu'il va durer longtemps dans la durée de vie. En tout cas, la montagne, vous avez pu voir, c'est qu'on a tout simplement même pas abîmé le véhicule quasiment. C'est juste comme un con, j'ai mis une petite roquette un peu trop puissante ou qui était juste à coller qui était juste à côté du véhicule, c'est bon, parfait. Mais sinon, à part ça, ça va. Hein. Eh, mais c'est fou. Venez, les flics, je vous attends, venez. C'est trop fastoche là. On peut même les provoquer après, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Ah, là-bas, j'ai quelque chose. Non, c'est le vent là-bas qui. Pas mal le coucher de soleil, hein. Ça y est, il commence à arriver vers moi. Ah, il m'a déstabilisé complètement celui-là. Donc là, j'ai deux véhicules qui arrivent sur moi. Les deux hélicoptères. En fait, ça fait quatre véhicules là. Cinq. J'adore la petite carte. Oh, tout ce qui arrive. Non, ça, c'est juste des militaires en fait, finalement. Regardez, il m'a même sorti le gros cal. Ils sont fâchés à la base militaire, ils m'ont même sorti des camions et tout. Hein. Bon, je vais essayer de sortir de la base, par contre, je sais pas comment on sort de la base. Rentrer, je sais, mais sortir avec le camion, je sais pas. On va essayer de trouver une solution. Espérons qu'on arrive à sortir de l'autre côté. Donc, normalement, t'as une sortie là-bas, mais elle est fermée. Que j'aurais bien aimé vouloir sortir et faire le con ou poursuivre un petit peu mes conneries. Vous voyez, c'est fermé là. Je pense pas que la grille va s'ouvrir d'un coup. Voilà la connerie. Donc, ça c'est un petit peu dommage qu'il n'y a qu'un sens en fait. C'est dommage que par exemple avec un 4x4 ou avec un tank tu rentres et tu peux pas ressortir. C'est ça, on va dire, le petit point noir de la base militaire comme vous avez pu voir. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a fait un petit peu plaisir. Donc vous avez pu voir qu'on peut rester très 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 longtemps avec ce véhicule dans une base militaire, mais au bout d'un moment, je pense qu'au bout de 30, 40, 50 minutes, il n'y a plus rien à faire, on tourne comme des cons et c'est tout. Donc voilà les amis, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. À bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.